Quoi? Oh, oui, c'est clair. Vraiment, oral et bon. Est-ce que je peux poser une question ou pas? Oui, bien sûr, vas-y. Super. Bon. Merci. 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 Alors, bonjour à tous, je m'appelle Pose Léo, je suis étudiant en première année de master en éco-épidémiologie à l'Université de Montpellier. Et cette présentation, elle fait suite à mon stage dans l'équipe perturbation, évolution, virulence au MIVEGEC de l'IRD de Montpellier. Et celui-ci s'intitule Étude de la dynamique temporelle et de la compétence haute de Kelba Trentatula pour face à l'hépatica en fonction de facteurs biotiques et abiotiques. Il y a un problème dans le processus. Pardon. Donc, pour contextualiser, ce stage il visait à identifier les liens entre paramètres environnementaux abiotiques, microbiote et capacité à agir en tant qu'hôte intermédiaire pour une application à l'épidémiologie temporelle de la goutte du foie. Alors, donc, pour introduire tout ça, on va parler rapidement des changements globaux. Alors pourquoi? Parce que les changements globaux tels que la diminution de la biodiversité, la déforestation ou l'augmentation de la température sont des événements allant avoir des impacts significatifs sur l'émergence de pathogènes et sur la création de conditions propices à la propagation des maladies. Donc bien que la plupart des mécanismes qui soient évolutifs, comportementaux, etc., soient encore mal connus, certains facteurs retrouver dont le principal sera la présence d'hôtes dans le milieu pour en jouer le rôle d'hôte intermédiaire ou de vecteur. Donc maintenant, il faut comprendre que pour qu'un hôte soit compétent au développement ou à la transmission d'un pathogène, plusieurs conditions doivent être remplies, donc comme le fait que cet hôte doit avoir une réceptivité et une tolérance suffisante à l'infection, c'est-à-dire qu'il doit être capable de subir l'infection sans subir de conséquences graves pour son organisme. Il doit aussi être capable de maintenir en vie l'agent pathogène dans son organisme durant suffisamment de temps pour permettre son développement et sa transmission à un autre individu. Et enfin, il doit être présent dans des zones géographiques appropriées et dans des populations suffisamment abondantes. Donc, pour étudier cette problématique de compétences hôte, on s'est basé ici sur la relation entre le mollusque Galba trentatula et le parasite Fasciola hepatica. Donc, petit point rapide sur Galba trentatula. Donc, aussi appelé linné tronqué, c'est un petit mollusque d'eau douce de la famille des linéidés. Il mesure entre 7 et 12 mm de longueur et a une longévité hermaphrodite et elle se trouve également très autofécondante. On peut retrouver ce mollusque dans les zones humides, préférentiellement dans les eaux stagnantes et peu profondes, avec une végétation qui est abondante. Donc la raison pour laquelle on va s'intéresser ici à ce mollusque est le fait qu'il puisse jouer un rôle d'hôte intermédiaire pour certains parasites, dont Fasciola hepatica. Du foie, il s'agit de trématodes ou vers plats capables d'infecter de nombreux animaux, comme les ovins, les bovins, les lagomorphes, l'homme et bien d'autres. Ce parasite, il est responsable de la fasciolose, qui est une maladie zoonotique parasitaire du foie, et il possède un cycle de vie hétéroxène et particulièrement complexe, allant impliquer plusieurs hôtes, donc précisément ici deux.
Donc, pour gagner du temps, je vais, par exemple, on va retrouver les formes adultes du parasite dans les voies biliaires du foie des animaux infectés. Les formes infectieuses pour le parasite, pour le mollusque, excusez-moi, correspond à une larve nageuse appelée Myrasidium. Et la forme infectieuse pour les mammifères correspond à une métasarcaire enkystée située au niveau des végétaux. Donc, en fait, aussi, qui se répétera lorsque les animaux viendront consommer ces végétaux qui sont contaminés. Petit point. Rapide sur la fasciolose, pourquoi est-ce problématique? Ben c'est en partie à cause des problèmes de santé humain et vétérinaire que ce parasite peut engendrer. Donc, en effet, il s'agit d'une maladie à un impact négatif important sur, dans l'industrie agricole, provoquant des pertes économiques qui sont conséquentes. C'est une maladie qui a entraîné de graves problèmes de santé chez le foie, une diminution de la production laitière et quelquefois la mort pour les capturer. Je vais un peu l'ensemble pour répondre à nos problématiques d'expérimentation majeure. Donc la première, elle est environnementaux biotiques, donc ceci a été réalisé à l'extérieur. Et sur ce lieu, un site a été sélectionné et il correspond à une mare temporaire. Donc, je précise également que ces relevés ont été faits avant mon stage, mais ils sont quand même essentiels pour la suite de notre étude. Donc, au préalable de toute autre expérimentation, nous avons réalisé des extractions en plaques de l'ADN de 92 individus échantillonnés, dont 4 contrôles négatifs d'ADN d'autres genres de mollusques ont été également préparés de la même manière et dans la même plaque. Puis, nous avons procédé à une évaluation de la prévalence en triatote par diagnostic moléculaire. Donc, cette expérience nous permettait donc de la comparer avec le résultat des autres. Ensuite, nous avons effectué une caractérisation des microbes bactériens présents dans nos échantillons de Galbatra catula, car nous savons que le microbiote, c'est un paramètre capable d'influencer la compétence haute de certains individus. Donc, l'objectif ici, c'était de visualiser une différence dans le microbiote des individus en fonction de la période d'échantillonnage et également d'essayer d'identifier une corrélation entre espèces taxon bactérien plutôt spécifique et infection par Fasciola hepatica. Je passe un peu trop vite. Oui. Et enfin, nous avons réalisé une mesure de la variabilité génétique neutre de nos échantillons de Galbatra catula, car ici, l'idée principale, c'était de visualiser une différence ou non d'un point de vue génétique entre nos différents individus et également en fonction de la période d'échantillonnage. Et pour visualiser cette différence, silos aussi microsatellites ont été ciblés et analysés. Ainsi, des relevés de paramètres environnementaux biotiques ont été réalisés à l'aide d'une sonde multiparamétrique. Et celle-ci aura permis de relever la température, le pH de l'eau du site 1. Donc les données, comme la salinité ou la turbidité de l'eau, n'étaient pas encore mesurables en raison de l'absence des appareils correspondants. Donc voici les valeurs de température et de pH pour les mois de mai 2022, juin 2022 et janvier 2023. Et globalement, ce qu'on peut dire avec ces paramètres, ils correspondent à des paramètres qui sont favorables au développement de Galbatra catula. Donc, sachant également que c'est une espèce qui possède une certaine tolérance à une gamme variable de conditions environnementales. Donc, maintenant concernant la manipulation sur l'évaluation de la prévalence en trématode, nous devons passer rapidement en raison d'une impossibilité à obtenir des résultats cohérents nous permettant de continuer nos analyses, donc c'est-à-dire au moment des premières PCR allant nous servir à détecter la présence en trématode. Voilà, donc les analyses sont toujours en cours. Maintenant, concernant la caractérisation du microbiote bactérien de Galbatra catula, le moyen le plus simple d'effectuer une identification des taxons bactériens contenus dans le microbiote de notre population mollusque, c'était la réalisation d'une PCR et d'un séquençage métabarcodé. Donc, une fois que toutes les séquences de tous les échantillons ont été reçues, nous avons procédé à l'analyse des résultats pour le biais du logiciel RStudio. Donc, pour commencer, nous avons regardé les courbes de raréfaction donc, qui nous permettent d'évaluer la diversité du microbiote de population pour chacun de nos individus.
Et donc, si chaque courbe atteint son asymptote, ça signifie que toute la diversité bactérienne de nos individus a été correctement balayée et identifiée. Donc, ceci étant bien le cas pour notre population, cela signifie que la profondeur du séquençage a été suffisante et donc nous pouvons procéder à la continuité de nos analyses. Maintenant, en se concentrant sur l'alpha-diversité de notre population, nous sommes focalisés sur l'indice de Simpson qui compare la diversité et la dominance des taxons présents dans nos échantillons. Alors, je rappelle que ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la variation en fonction de chaque période, donc en fonction du temps. Alors, pour commencer, lorsqu'on observe le profil des différents boxplots, qui sont pour la quasi-totalité proche de 1, oui, c'est bien ça, nous obtenons une diversité spécifique élevée et une dominance qui est relativement faible. Donc, pour le microbiote des individus de notre population. Et surtout, ce qu'on va observer, c'est qu'il n'y a pas de différence significative dans l'alpha-diversité de nos individus en les comparant entre chaque mois, donc entre chaque période. Ainsi, nous avons considéré ici que la diversité bactérienne de chaque individu au sein d'une même population était relativement similaire au fil du temps. Maintenant, concernant l'abondance de nos taxons bactériens présents dans l'individu, nous avons observé que, d'une part, les ordres les plus abondants étaient également les trois ordres les plus abondants le sont pour quasiment chaque pas de temps. Et d'autre part, nous avons observé une variation de leur abondance également en fonction des périodes. Donc, nous avons donc obtenu une légère variabilité pour ce paramètre au cours du temps. Enfin, en se concentrant sur la bêta-diversité de notre population et en se basant sur la distance de Bray-Curtis, donc mesurer la similarité entre nos individus en tenant compte de l'absence et de la présence des taxons microbiens, mais également de leur abondance relative, nous avons pu observer que la similarité dans la composition taxonomique entre les individus d'une même période pouvait varier en fonction des mois, que certains mois représentaient des profils qui sont similaires entre eux, formant précisément trois clusters au total. Donc, ces informations nous permettent d'affirmer le fait que certaines périodes sont regroupées entre elles en raison de profils similaires, mais dans l'ensemble, il semblerait que la bêta-diversité de nos individus soit également variable en fonction du temps. Concernant maintenant notre dernière expérimentation sur la mesure de la variabilité génétique neutre dans notre population de Galba, au moment de la lecture des données de génotypage, quelque chose nous a interpellé parce qu'en fait, le profil obtenu pour notre fils, qui, je le rappelle, est un autre genre de mollusque, présentait un profil similaire ou identique à celui, à ceux de notre population, de nos individus de Galba truncatula. Donc, contamination entre les échantillons et nous empêchons donc toute exploitation ou interprétation de nos résultats obtenus. Donc, concernant cette contamination qui a été observée, on a émis différentes hypothèses concernant son origine. Donc, la première, il est possible que cette contamination soit survenue au moment de l'extraction de l'ADN de l'ensemble de nos individus, donc toute première manipulation avant nos expériences. Deuxièmement, il est possible que contamination soit survenue au niveau de la plaque mère d'ADN, c'est-à-dire au moment des nombreuses préparations de PCR pour les différents signes confrontés. Donc, dans tous les cas, ça signifie que l'ensemble de nos expérimentations pourrait être impacté par cette contamination et on peut donc, dans les médias, pas considérer les résultats obtenus pour les expériences réalisées. Voilà. Enfin, surtout pour les expériences où la contamination elle est observable, comme pour la génétique. Ainsi, les résultats obtenus ne nous permettent pour le moment pas de répondre à l'entièreté de nos questionnements de base, car certaines expérimentations sont à refaire et d'autres sont encore en cours. Donc, on ne peut pour le moment pas comparer les résultats. Certaines variabilités au niveau de la composition et de l'abondance taxonomique du microbiote de nos individus Galba. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de comparer les résultats de cette expérience avec celle, par exemple, de la prévalence entre les méthodes pour essayer de potentiellement détecter l'origine de cette variation. Voilà. Donc, les conditions.
Les contaminations obtenues durant nos manipulations sont témoins de la minutie et de l'attention qui est parfois en biologie moléculaire pour éviter toute complication. Je vous remercie pour votre attention. Parce qu'en fait, on essaye de. Je vais dessus, mais ça sert à rien. On essaye surtout de se concentrer sur les paramètres qui pourraient influencer la compétence haute de Galba pour certains parasites qui étaient sur l'hépatica. Et en fait, on s'intéresse au microbiote parce qu'on sait que c'est un paramètre qui peut faire varier cette compétence. Et on essaie donc de voir comment le microbiote peut varier en fonction du temps, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et donc, si ça va avoir un impact sur l'infection par fascite hépatique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été plus ou moins clair. Donc, un peu avec le stress et la fatigue, j'essaye de les relativement clair et pas trop mélanger. Voilà. Non, pardon, chaque graphe, chaque courbe, tu parles de ça ? Chaque courbe correspond à un individu. Donc, voilà. Oui, plus ou moins. Attends, en fait, là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est si chaque groupe atteint vraiment son asymptote. Donc, en fait, si c'est le cas, peu importe le nombre de séquences, ça veut dire que la séquence a fonctionné, donc on peut obtenir les informations de l'individu en question, même si ce n'est pas forcément très élevé. Voilà. Pas encore très à l'aise avec ces notions, donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus trop exactement, mais oui, il me semble que ça correspond de séquences ont été identifiées. Voilà. Oui. Conditions défavorables. Ah, favorables. Pour revenir là, si on se concentre sur la température, conditions favorables pour son développement, ce serait des températures entre, je crois que c'est à peu près 25 degrés, et elle peut supporter des températures allant de 5 degrés à 30 degrés. Voilà. Après, pour le pH, c'est qu'elle peut faire des pH plutôt neutres, voire légèrement acides, mais là, visiblement, c'est des pH un peu basiques, donc ça ne dérange pas trop. Voilà. Oui, bien sûr. Expliquer pourquoi on va expliquer différents.
Merci beaucoup. Allez-y, hein, je vais répliquer. D'accord, très bien. Merci. Alors pour l'échantillonnage et je dirais que pour les paramètres, pour les relevés de paramètres, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que là, pour avoir plus de données environnementales, il serait intéressant d'utiliser plus d'appareils. Donc c'est pour ça que j'ai précisé que certains n'étant pas disponibles, on n'a pas encore accès, on n'a pas accès à toutes les données, enfin tous les paramètres. Je ne sais pas si j'ai précisé la turbidité et la sanité, par exemple. Et pour éviter les contaminations durant les manipulations, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait changer au niveau du matériel? Faudrait que je fasse ça. C'est vrai que je pourrais réfléchir à la question. Parce que je suis plus concentré sur la l'initiative en elle-même de la manipulation, enfin, de l'expérience. Donc, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup de choses dessus. Donc voilà, je suis désolé pas pour ce qui s'est passé. Non. Alors, de ce que j'ai compris, on s'attendait à peu près à une prévalence de 2%. Voilà. Quatre mots. Bon, on s'attendait à avoir un ou deux. D'accord. Oui. Là. Je les ai enlevés. Alors j'ai eu un peu de mal du fait qu'en fait ce soit pour pas trop me perturber avec l'axe 1 et l'axe 2. Mais en gros, j'ai essayé de faire des clusters en fonction de leurs valeurs, des valeurs obtenues. Donc en fait, ici, c'est surtout pour les individus qui ont des valeurs entre 0 et moins 0,2. En haut, c'était plutôt proche de 0,2 et ici, c'est plutôt proche de 0,4. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un peu de mal à rendre ça assez visuel, on va dire. Oui.
Ben en fait, il y a tellement de variabilité entre les individus que forcément, il y en a qui ne rentrent pas, enfin, qui ne sont pas rassemblés avec les autres dans les périodes. Donc, par exemple, il y a des mois comme le mois de juin, il y a un peu, on le retrouve un peu partout. C'est un peu difficile. J'essaie vraiment de regarder où les individus étaient le plus rassemblés pour chaque période. Comment ça? À quoi serait liée cette amitié, actuellement? Non, dans les médias, je pourrais pas. Je pense, oui, utiliser tous les paramètres. Non, ouais, je vais réfléchir. Oui. C'est pas encore le temps. Plus de 2 semaines. Tu t'es accordé? Oui. Moi, je fais comme ça parce que moi, ce qui se passait, on peut-être au premier élément pour que nous comprenions que ce soit comme cette chose de pouvoir faire des choses comme ça, de se voir à l'autre, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Chercher. Et puis, peut-être pas, parce que t'as des gens de beaucoup plus, pas vraiment, parce que tu vas dire, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, oui, c'est vrai. D'accord, merci. Merci beaucoup, hein, pour le retour. C'est bien. Je sais pas si tu veux me mettre en vitesse ou si on peut mettre en normal. Je sais pas, j'ai pas vu ce que ça va. Je vais prendre la chaise pour l'instant. Elle n'a pas. Oh, ça fait du monde. Voilà, ça marche, non? C'est bon. Ok, nickel. Bonjour à tous. Merci d'être venu pour ce séminaire. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Clara Tarbouillet. Je suis en licence pro avec la licence pro BAE de l'UG analytique et expérimentale. Et du coup, j'effectue mon alternance à l'IRD pendant un an, de septembre 2022 à septembre 2023. Du coup, il me reste encore quelques semaines pour finaliser tout ça. Et je suis sous la direction de Sylvie Cornélie et Audrey Berger. Mon sujet de stage est identification et caractérisation d'un bosovirus infectant les moustiques du genre Aedes. Voilà.
On étudie le moustique du genre Aedes albopictus. C'est un moustique diptère de la famille Culicidae, de la sous-famille Culicinae et du genre Aedes. C'est une espèce diurne, agressive, qui s'adapte facilement au milieu urbain et du coup qui est très invasive. On peut voir sur l'image juste ici la carte actuelle en bleu et prévisionnelle de l'invasion d'Aedes albopictus dans le monde, du coup prévisionnelle en rouge. On étudie ce moustique puisqu'il est vecteur de maladies, d'agents pathogènes dangereux pour l'espèce humaine. Du coup, il y a des luttes antivectorielles mises en place pour pouvoir... pour pouvoir éviter de transmettre de maladies. Du coup, il en existe quatre. La lutte chimique, qui est l'utilisation d'insecticides de synthèse. La lutte mécanique, qui est la destruction des gîtes larvaires. La lutte génétique, qui est l'utilisation d'OGM, d'insectes génétiquement modifiés, tels que la tisse. Et du coup, la lutte biologique, qui nous intéresse ici, qui est l'utilisation de champignons, bactéries, et ainsi que virus. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va travailler avec des dansovirus. Donc, les dansovirus, ce sont des parvovirus d'arthropodes, qui sont donc des agents zoonotiques naturels des espèces d'insectes et de crustacés. Ils ont été découverts en 1960 dans des épisomies de chenilles. Ils font partie de la famille des parvoviridae. Il existe trois sous-familles. Nous, celle qui nous intéresse, c'est les Ama parvovirinae. Et du coup, dans cette sous-famille, le genre qui nous intéresse, c'est les Brevi Ama parvovirus. Donc, le dansovirus est un tout petit virus qui mesure 22 nanomètres. Il est de forme icosaédrique, de structure simple. Il est non enveloppé et il a un ADN monocaténaire et linéaire. Donc ici, on peut observer sur cette image l'infection des dansovirus sur principalement les stades larvaires. Donc, on peut imaginer que cette nymphe morte a été contaminée par des dansovirus. À sa mort, elle va libérer les virions du dansovirus dans le milieu, donc le gîte larvaire, qui va contaminer les autres larves, qui vont ou grandir avec ce virus ou en mourir, et qui vont donc à nouveau mourir et libérer des virions. Donc, il existe du coup des symptômes qui sont, on n'est pas totalement sûr de ces symptômes, mais d'après une publication, c'est les symptômes qu'on a pu observer. Donc, il y a la paralysie des larves, la perte de mobilité, la perte de pigmentation, la déformation du corps, la mort et la diminution de fécondité. Du coup, on a aussi plusieurs modes de transmission, horizontal, donc d'un individu à l'autre, verticale d'une femelle à sa progéniture, et aussi peut-être environnemental, mais on n'en est pas encore sûr. Donc ici, on peut observer des larves infectées par un dansovirus. Donc sur ces images, on peut observer les premiers stades de l'infection, donc qui va se retrouver dans les papilles anales et dans la base des soies des larves. Et sur cette image, on a l'infection avancée dans ce virus. Et sur celle-ci, on peut observer le phénomène de dansonucléose, qui est du coup la principale caractéristique du virus. Ici, c'est des noyaux hypertrophiés de cellules de l'intestin moyen chez un modèle qui l'explique bien. Donc, pour recontextualiser mon stage, mon objectif ici, ça a été du coup chercheurs de Marseille ont voulu faire un séquençage massif d'une lignée cellulaire de cellules C636. Dans ce séquençage massif, ils ont pu découvrir qu'il y avait la présence d'un dansovirus, donc d'un dansovirus dit inconnu. Donc leur première hypothèse a été que ce dansovirus inconnu semblait correspondre à un dansovirus déjà connu qui se nomme ALDV3. Donc un dansovirus de Aedes albopictus. Donc mon objectif a été du coup d'identifier, de caractériser ce dansovirus qu'on a nommé DVIRD. Donc pour mieux expliquer ce que j'ai dû faire, j'ai dû donc
identifié et caractérisé. Donc, ça va être deux parties, ça a été deux parties de mon stage. Donc, pour l'identification, j'ai utilisé des méthodes de biologie moléculaire. Et pour la caractérisation, j'ai fait des tests d'infection sur du coup, des Aedes albopictus. Donc, pour mes tests d'infection, on va commencer du coup par faire éclore des œufs d'Aedes albopictus. On va infecter dans différentes places, avec différentes conditions. Donc, on a utilisé ici deux flasques de cellules saines, deux flasques de cellules infectées avec du DV, du AAL DVIRD et deux flasques infectées avec notre dans ce virus inconnu DVIRD. Donc, dans chaque flasque, on va placer 150 larves. Et on va les infecter pendant 48 heures à température ambiante, juste dans notre milieu avec nos cellules. Ensuite, nous allons placer du coup nos larves dans des bacs d'eau avec du coup de la nourriture pour qu'elles puissent se nourrir après ces 48 heures. Et du coup, au bout de 5 jours, on va suivre la mortalité, donc on va faire des comptages quotidiens des morts. Et du coup, on va observer donc 5 jours post-infection, les morts qui sont censées être liées au virus d'après la bibliographie. Donc ensuite, on va les mettre en cage et on va du coup observer encore une fois la mortalité, mais au stade adulte. Puis on va effectuer engorgement 5 jours après émergence pour aussi suivre la mortalité après l'engorgement. Donc au cours de cette manipulation, on a fait cette expérimentation. On a fait des checkpoints pour pouvoir suivre l'évolution du virus. Donc, je les ai décrits ici. On a fait AJ9 on a infecté AJ0 au stade larvaire L1, donc après éclosion. Et après, on a récupéré AJ9, J1 post-gorgement, J7 post-gorgement et J14 post-gorgement. Puis, on a terminé l'évolution, l'expérimentation AJ14. Avec du coup toutes ces données, on a pu faire des analyses statistiques. Et du coup, avec les individus qu'on a récupérés morts et vivants, on a fait des extractions d'ADN viral par les méthodes d'extraction en CTAV à 2%, puis des analyses qPCR de détection et de quantification de dans ce virus. Donc du coup, pour les résultats de nos qPCR, j'ai pas encore eu le temps de faire toutes mes analyses, vu qu'il me reste encore un peu de temps pour faire mes analyses et etc. Du coup, pour l'instant, on a juste fait des analyses pour déterminer les seuils de positivité et de négativité. Donc ici, on a l'analyse d'une gamme quantitative fait avec du plasmide dans ce virus connu AALDV2. Et du coup, on a fait des calculs pour pouvoir déterminer le seuil de négativité. Donc, ce côté sera la zone négative, positive. Et ici, négative, le seuil de positivité est négatif pour avoir notre pic à l'endroit attendu. Du coup, pour les analyses statistiques du suivi de la mortalité larvaire, on a fait des graphiques et des tests statistiques. Donc ici, on peut observer une différence significative entre DVIRD et les cellules saines. Donc DVIRD ici, les cellules saines. Donc, en rouge, les individus morts et en vert, les individus qui ont émergé. Et du coup, on peut observer une différence entre les cellules saines et DVIRD et entre les cellules saines et DV2. Pardon. Mais du coup, pas de différence significative d'après nos tests statistiques entre les deux dans ce virus. Du coup, aussi, on a fait un graphique de l'émergence des sexes en fonction de la culture, donc savoir s'il y avait une différence pendant l'émergence, si on avait plus de femelles ou de mâles en fonction de la culture. Du coup, d'après les tests, on peut observer une différence significative entre DVIRD et ici et les cellules saines. Mais il n'y a pas de différence significative d'après nos tests entre DV2 et nos cellules saines. Du coup, pour la partie identification du génome de DVIRD, on a commencé par faire des designs, des séquences de génome déjà connues dans ce virus, donc par exemple la AALDV2 et AALDV3. À la suite de ça, on a fait des tests de vérification par PCR et sur gel pour vérifier si nos amplitudes
répond à quel attendu il était bien présent. Et si besoin, par exemple, ici, sur ce résultat, on a l'amplitude 5, qu'on ne voit pas très bien, je suis désolée, qui est pure, donc qu'on n'a pas besoin de purifier. Et par exemple, le premier, l'amplitude 4, où on observe des bandes à différentes tailles et qui ne sont pas attendues. Du coup, on a dû faire des extractions et purifications d'ADN à partir de gel. Suite à ça, on a envoyé à séquencer par séquence de Sanger pour ensuite reconstruire le génome dans ce virus inconnu. Du coup, pour les résultats du séquençage, alors, ici pour vous expliquer, ou si vous ne connaissez pas Benchling, du coup, on a la séquence de dans ce virus qu'on a déjà connue, qu'on connaît déjà. On a les amplicons qu'on a séquencés, pas séquencés, désolé. Les amplicons qu'on souhaite séquencer en fonction des amorces qu'on a pu designer. Donc, pour nos résultats, on a réussi à avoir la séquence ici, donc celle qui représente à peu près la plus grande partie des NS, mais pas du coup la séquence d'ici à ici qui représente la partie la plus variable et VP. On n'a pas non plus réussi pour l'instant à séquencer le tout début et la fin de la séquence qui représente les ITR. Du coup, je vous ai mis ici l'exemple de mes résultats de séquençage avec mes alignements pour montrer qu'ici, ça a bien fonctionné. Et ici, on a un mauvais séquençage. Du coup, on a pu faire des alignements ni de reconstruction. Donc, en première interprétation, grâce au cours, on a pu placer cette séquence et on retrouve que la séquence me correspond du coup, dans ce virus déjà connu sous le nom de AEDS apovictus-2, donc AADV2. Du coup, en perspective, puisque là, actuellement, mes résultats sont seulement préliminaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore vraiment conclure avec le peu de résultats que j'ai. Du coup, en perspective, pour ma partie identification, il faut que je finisse de reconstruire le génome, donc que je finisse de designer, de vérifier et de séquencer mes séquences. Et pour ma partie caractérisation, il faut que je finisse du coup les analyses statistiques de ma première et ma deuxième infection, et aussi les analyses qPCR de mes deux infections. Voilà, merci pour votre écoute. Du coup, là, c'est des tests d'immunofluorescence qu'on n'a pas fait nous, qu'on a récupéré, enfin que j'ai récupéré dans une bibliographie que j'ai trouvée, enfin qu'on a trouvé. Et du coup, voilà, c'est de l'immunofluorescence qui montre la présence de ce virus dans la larve. Alors, je parle pour celle-ci. Du coup, en fait, ici, on a fait de la culture cellulaire de C636, donc pour nos témoins sains. De la culture cellulaire donc avec présence de dans ce virus donc déjà connu des VDE et pareil pour notre test mais du coup avec des DNA. Et du coup c'est nos larves qu'on va mettre directement dans nos flasques. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Merci pour Oui, d'après les premières hypothèses, c'est AADV3, mais... Alors, du coup, c'est pour la fin. Donc, en fait, actuellement, j'ai tout d'abord commencé à designer sur des amorces sur AADV3, sauf que, du coup, on a réussi à avoir ce petit bout de séquence sous le génome. Donc, avec ce petit bout de séquence, on a fait un blast et du coup, nos premières interprétations nous montrent que c'est peut-être pas AADV3, mais plutôt AADV2.
Si c'est, ça correspond à 100% à MDV2, du coup, non, ce ne sera pas un nouveau mensonge. Après, on peut potentiellement avoir le début qui ressemble à MDV2 et quand je ferai la suite, peut-être qu'à la suite, ce sera autre chose. Ensuite, il y a beaucoup de différences sur le self ratio. Oui. Non, c'était pas grave. Oui. Là, d'après ce premier graphique, on pourrait se dire que le dansorius a une influence sur le sexe. Sauf que le problème, c'est que là, actuellement, on fait nos analyses que sur un seul il n'y a pas de réplique, c'est qu'une seule infection. Donc, on ne peut pas être certain que ça y joue. Voilà. Donc, ouais, il faudrait faire plusieurs réplicas, observer la différence et pouvoir conclure. Parce que du coup, ça peut vite après. Oui. Ok, je prends note. Ok, merci. Oui. Votre respect. Alors, en fait, il existe beaucoup de dansovirus qui sont spécifiques de certains insectes et de crustacés. Donc là, le dansovirus qu'on étudie, c'est spécifique aux moustiques. Mais il en existe d'autres qui sont spécifiques aux crevettes, aux papillons. Entre les différentes espèces de moustiques, on connaît plusieurs dansovirus qui sont plus spécifiques à certains moustiques, à certains genres de moustiques. Mais ils peuvent quand même affecter d'autres genres. Oui. Oui. Alors du coup, en fait, avec les calculs que j'ai effectués, j'ai déterminé par exemple sur les absorbances, à partir de 29,5, tout ce qui sort après est donc négatif. Oui, oui. Oui, là. Oui. C'est quoi la relation que dans ce virus ça fait partie et ça prend une petite forme de mortalité. Donc on ne peut pas tuer un petit, on peut s'en servir comme aussi. On peut apporter quelque chose à lui. Est-ce que tu penses un peu plus ou pas? Je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, mais du coup, nous, on étudie les dansovirus pour une lutte antivectorielle à faute de... Voilà. C'est aussi... Il y a d'autres questions. Oui. 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 D'accord, merci.
Oui, je me suis remarqué que j'ai fait l'erreur. Merci beaucoup. Merci beaucoup en vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On vous retrouve pour le prochain séminaire. C'est un séminaire exceptionnel. Et là, c'est ça. Okay. Merci à tous d'être venus et aux deux stagiaires d'avoir présenté. Thank you.